Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Célia Sanchez-Mousti, qui vient de Pas-de-la-Loire, de Catalogne, mais quand même, c'est déjà au-delà de nos frontières. Et Renaud Grémillon, qui, comme vous le voyez, est accordéoniste, entre autres. Et c'est que Célia Sanchez-Mousti, elle-même, est musicienne. Elle a fait des études classiques, elle a joué de la guitare, du piano, aussi de la musique électronique. Et puis, en fait, depuis plusieurs années, elle se consacre surtout à l'écriture. Elle a publié plusieurs recueils et elle organise aussi à Sitges un festival de poésie qui a l'air assez top, bon, avec 7 poètes et puis toute la ville, les gens qui sont sur les balcons, qui jettent des mots, qui jettent des fleurs, des films muets composés spécialement pour chaque poète. Enfin bon, ça a l'air d'enfer. Et donc, ce que dit Célia, c'est que dans l'écriture, elle retrouve beaucoup des choses, évidemment, de la musique, le rythme, la structure, la mesure, que tout ça, cet environnement musical dans lequel elle a vécu longtemps, c'est quelque chose qui lui passe dans l'écriture. Merci. Alarme. Aujourd'hui, la douleur est comme un enfant qu'on n'entend pas depuis longtemps. Que peut-elle être en train de faire? Quel désordre dans les artères, brisure dans les nerfs, gribouillis dans la mémoire. Demain, je m'y attends, je trouverai la maison inondée de nostalgie. Avui, el dolor és com un nen quan porta massa temps que no se'l sent. Quina veu està fent? Quins embolics a les artèries, trencadisses als nervis, guixades a la memòria. Demà m'ho veig a venir. Em trobaré la casa enaiguada d'enyor. És el rostre masegat per una ànima depredadora. Taques, rictus, clots, l'ànima se t'aboca els llavis i te'n saliva el rostre. El rosega fins al coll i després recula i s'enfila els ulls i des d'allà es despenja, ja ben assaciada. I el trot va amunt i avall fins que en el rostre apareix l'esglaó desgastat per on pujo cada tarda a veure sortir el sol. Thank you.
espace entre nous dont nous ignorons l'entrée, c'est là que nous sommes vraiment. C'est toi qui me traduis en toi, c'est moi qui t'interprète en moi. Quand nous échappent nos manuscrits originels, à moins qu'ils n'existent profondément aux marges du brouillard. Je suis désolée pour ne pas parler votre langue. Catherine, un plaisir, et l'accordéoniste Andrésie. Merci beaucoup. Rendez-vous de la semaine de l'un et l'autre qui permet d'associer un poète du festival Celia Sánchez Mustic de Catalogne qui est né à Barcelone et qui vit actuellement à Sitges. On nous sait, et avec la traduction Cet espace entre nous, traduit par François-Michel Durasso, le même traducteur que la rencontre d'hier, avec poète invité par la Maison de la Poésie de Montpellier, Jean-Marie Petit, qui écrit en occitan et qui est salué par les cloches de la cathédrale Saint-Fulgent. Ginest. Le ginest dire l'argelas per engabia los unicorns morsegats à la sang. Nous sommes mes prins que balage la fin à pasturade de légende. Si aïe, malicias ma légende douce à l'aile son blanc et blanc, mon ginestier crémat de l'incendie dernier et le gré à escure de la scène et de l'élevée. Et un que je dédie à Celia parce que ça vas-y bien. Ça s'appelle « Il la scène des mots ».« Il la scène des mots » dans la cendre des mots en français. Escrivia la mateixa letra a la mateixa fenda cada nit. I els ocells de malencontre venien veure a son cor el sang de son amor. De la cendre dels muts havia cavat sul leit, ma hi dormissio pas. Havia por de morir
et avait peur de vivre. Il avait peur de mourir et avait peur de vivre. El meu primer llibre es titulava La cendra i el miracle. No, mais bon, j'ai trobat unes semblances d'aquest viatge de poesia i això que escriure, si em promet. À l'intérieur du mot. Je l'ai vu au cinéma. L'enfant dans le film découvre qu'il a peur et se réjouit. Non pas d'avoir peur, mais d'avoir appris que ce qu'il ressent s'appelle la peur. Ou que le mot peur qu'il a tant de fois entendu, c'est ça qui le secoue en ce moment. J'ai peur, crie-t-il en souriant, l'euphorie de la découverte étouffant presque sa peur. Comme cet enfant, j'ai si souvent entendu le mot trahison, comme si à l'intérieur il était vide, comme s'il entrait dans mes oreilles et restait là, bouchon de cire, sans jamais arriver au fin fond. Il a fallu attendre aujourd'hui. Je me retrouve dans un film. La scène est si semblable à cette autre. Je crie, on m'a trahi et je me réjouis. Pas de la trahison, mais d'avoir appris que ce que je ressens s'appelle avoir été trahi. Que je possède un lieu au fin fond où recevoir la trahison, en parcourir les contours et après l'avoir oubliée, être un peu plus heureuse qu'avant. Ho vaig veure al cinema. El nen, a la pel·lícula, descobreix que té por i se n'alegra. No pas de tenir-ne, sinó d'haver après que del que sent se'n diu por. O que la paraula por que tants cops ha sentit és allò que ara el sotraga. Tinc por, tinc por! Xiscla, somrient, gairebé la por extingida per l'ofensa descoberta. Com aquell nen, tants cops he escoltat la paraula traïció, com si per dins fos buida. M'entrava per les orelles i allà es quedava, tap de cera, sense mai arribar al fons del fons. No ha estat fins avui. Surto en una pel·lícula. L'escena és tan semblant a aquella altra. M'han traït, xisclo, i me n'alegro. No de la traïció, sinó d'haver après que del que sento se'n diu haver estat traïda. Que tinc un lloc al fons del fons on rebre la traïció, resseguir-ne els contorns i després oblidar-me'n una mica més feliç que abans. Et bravo pour cette écoute chaleureuse et intéressante. Thank you.
Et puis c'est un lien aussi avec notre deuxième invité, Célia Sanchez-Moustiche, puisque ce sont deux poètes qui se trouvent dans des aires culturelles et géographiques plurilingues. Donc on aura aussi à se poser quelques questions là-dessus. Nos corps se touchent, il n'y a plus d'air entre nos corps se touchent, je respire fort, nos corps se touchent, je respire fort, fort, je respire fort, je respire fort, fort, je respire fort, il n'y a plus d'air entre nos corps, je respire fort, 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 je cours à mon travail, je cours pour mettre la maison en ordre, je suis essoufflé, je veux prendre l'air, de l'air, de l'air, j'aère la maison. J'ouvre grand les fenêtres, clac, clac, j'ouvre les fenêtres. Dehors il fait froid, mon enfant pleure. J'ouvre grand la maison, j'aspire les fenêtres. Je fais le tour de l'enfant avec mon lac. J'aère mes poussières, j'ouvre les canards. J'aère mes fenêtres, j'aspire mon enfant. Parfois il n'y a plus de corps entre nos airs. Parfois il n'y a plus de corps dans ma respiration. J'ai l'air de quoi? Et j'ai l'air de quoi? À l'air! À l'air! J'ai l'air de quoi? À l'air! À Bonjour. Impossible. Il est impossible que ce soit arrivé. Ces mots qui déraillent, le souffle qui les pousse pour que mes lèvres s'entrouvrent comme les issues de secours d'un théâtre en flammes, disent peut-être la vérité. Et rien n'est arrivé qui n'ait pu arriver. Et quelque part, où le temps et l'espace intemporel où rien de cruel n'arrive jamais, tout perdure, comme à l'instant qui précède la défaite. Et je me tiens à la porte d'un théâtre, de plus en plus pleine de moi-même, de flammes, devant l'inflexible concierge qui me barre le passage sous prétexte que le spectacle a commencé. Es impossible qu'aille passer. Aquests mots que desbarren, l'alè que els empeny perquè vaguin els meus llavis com les portes d'emergència d'un teatre en flames. Potser diuen la veritat i això no ha passat si no ha pogut passar. I en algun lloc on el temps és l'espai sense temps, on res de cruel mai no passa. Tot perdura com l'instant abans de la desfeta. I jo sóc a les portes d'un teatre cada cop més ple de mi, de flames. Davant del conserge inflexible que em barra el pas amb l'argument que la funció ja ha començat. Gràcies. Et on va garder sur la table là, à la fin aussi quelques dépliants pour ceux que ça peut intéresser. Théo, 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 c'est un homme, Théo, un man. Il va pas changer maintenant, Théo, un homme qui ne veut pas être dépendant de quelqu'un. He is a man. Il a compté que sur lui-même. And this need, maintenant qu'il va changer, neither rival, need nu, Théo. 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 Météo.
Diuen que el vol de les aus no té empenta vertical. Mal pronòstic, caure al sot. Però el batre d'ala estossut n'erosiona les parets fins que la terra s'esglaona i els núvols es despleguen. Ho sé per un ocell avantpassat que sempre tornava a casa brut de fang i sense plomes, amb el bec entreobert d'un somriure burleta, quan ja tots el donaven per mort. Gracias.